Bon, j'ai pas du tout l'habitude de faire ça, mais là faut que je parle en vrai, là c'est plus possible. On compte prendre 0 points ou c'est comment? Est-ce qu'on continue comme ça ou on va droit dans le mur ou on arrête à un moment donné? Ça se trouve ce sera ma dernière vidéo du genre, mais là c'est pas possible, ça fait 7 ans qu'on attend la Champions League. Est-ce que ça va être porte ouverte tous les matchs comme ça? À la base la compo, moi elle me convenait, au début je me suis dit ok on joue en 3-4-1-2, offensif, on a de l'ambition, ça va être cool. Et puis là le match commence. Aucune occasion, on laisse le jeu à Manchester City. Mais je me dis, attends, mais on a attendu 7 ans pour voir ça. Ah, City joue bien. Ah, City, pff, leur jeu il est huilé. Passe à gauche, passe à droite, superbe. Du coup, là, je suis au fond du saut, très clairement. Là, y a rien d'écrit, y a rien, ça va être tout mis. Mais là, j'ai vraiment envie de parler parce que, mec, je suis fan de l'Olympique de Marseille depuis que je suis tout petit. Vous le savez. Enfin, non, vous le savez pas parce que vous me connaissez pas quand j'étais tout petit. Mais bref, t'as compris. C'est un truc de ouf. On a été nul à chier. Non, faut vous le dire, à un moment donné, on a été nul. Et comme si c'était pas assez compliqué, il a fallu qu'on donne le match avec une petite passe des familles. Rongier, franchement, je t'adore. Mais là, t'as pas le droit de nous faire ça. T'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. En plus, ce stade-là, est-ce qu'on peut parler de ce stade vide? Il y avait zéro spectateur. Zéro, comme notre prestation. C'est là, franchement... Parce que vous savez en plus comment on est les Marseillais, hein, on taquine un peu les autres et tout ça. Mais là tu veux taquiner quoi quand on fait ça? Les 30 premières minutes on n'a pas existé. Ensuite on a commencé à jouer un petit peu au ballon. On s'est dit attends, on est en Champions League, on va quand même pourquoi pas jouer. Enfin City c'est pas non plus incroyable, c'est pas le gros City, faut arrêter. Donc on revient un petit peu, il y a des occasions, on se rapproche de la surface. On s'est dit que sur un coup de malentendu, Radonjić il fonce tout droit, ça passe. C'est pas passé. 1-0, 50e, 60e, ça continue. Je me dis pourquoi pas égaliser, on sait jamais, tant qu'il y a 1-0, on reste vivant. Mon père qui se dit, écoute, je vais mettre 1€ sur l'équipe de Marseille, cote à 62, c'est bon, c'est sûr, ça va passer. Et bien on prend le 2-0, voilà. Cote à 130 000, elle est passée. D'ailleurs, je vais aller le chercher pour qu'il nous dise un peu ses ressentis. Non mais là, assieds-toi là sur la chaise. Ah putain, on est où là? Là. Hey, quel a été ton joueur préféré de l'OM? Alors moi, ça a été Rongier. Si le quiche. Il y a une vidéo ce week-end qui arrive. T'as perdu un truc, hein. Ah ouais? Non, mais attends, mais c'est pas grave, laisse-le comme ça. Du coup, ouais, j'ai voulu te convier à cette vidéo qui n'était absolument pas prévue. Mais moi, je me suis dit... Non, elle était pas du tout prévue. J'ai dit à la 85e minute, faut que je parle. Faut que je parle parce que c'est pas possible. C'est pas possible, on attend, ça fait 7 ans qu'on attend ça, 2013. Et je vous dis que samedi, il y a une vidéo ensemble. Du coup, voilà. Est-ce qu'on va faire un point? C'est la question. Non mais moi je pense qu'on va se qualifier. Tu penses qu'on va se qualifier là? Mais non, je rigole. Pour marquer les buts, il faut tirer. En tout cas, moi si j'ai juste un message à dire les gars, c'est donner tout. Arrêtez de commencer un match en regardant l'adversaire jouer. Ça fait 7 ans qu'on n'y est pas en Ligue des Champions. Jouez. Voilà, libérez-vous. Libérez. J'ai juste un petit message particulier à un joueur que j'apprécie énormément. Écoute-moi Dario Benedetto. Bougez-vous le cul. Voilà, voilà. Je pense que c'est vraiment, on finira sur ça. Ouais. Voilà, ouais. On finira sur ça. Je sais pas si ce format vous plaira, je sais même pas si cette vidéo sortira, je ne sais même pas si elle restera sur la chaîne, mais j'avais juste besoin de parler pour dire à quel point ça me faisait chier d'avoir attendu autant de temps pour vivre ça. 1-0, 3-0, marquez un point, marquez des buts, faites-nous rêver quand même, ça fait 7 ans qu'on est là pour vous, pour le maillot, et franchement là, vous nous respectez pas en jouant comme ça. Posez-les, jouez. On se dit à samedi pour une prochaine vidéo avec le coach Hervé. On va faire des bons défis qui vont être vraiment cool. Et puis la bise, hein. Et allez, peace.